Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock Trader. On est avec Katox. Salut Katox! Salut. Et du coup, on a déjà chargé la zone suivante, histoire de ne pas vous imposer ça. Et c'est un petit peu pourri de warp partout. Ok, bon, Ah bah tiens. Aurore qui arrive. Vous avez vaincu Crépuscule, vous avez battu Aurore, mais elle n'était que l'une des nôtres. Vous m'entendez? On a battu un Crépuscule, peut-être? De sa prison de métal froid, il se relèvera à l'heure proche. De toute façon, on a sauvé la planète sans étoile, ça va quand même être chaud du cul. Hein. Sans vouloir être négatif à l'extrême. Bon, on prend la grande route. Ouais, on est censé faire un repli expéditif vers l'astroport. Ouais, si on peut passer parce que. Ah, il y a du monde là. Vas-y, passe devant si tu veux avoir tes. Yo. Ok, très bien. Parfait. Parfait. Excellent. Bon, le reste c'est de la daube. Il y a un leader en Là bas. encore. Il y en a encore deux en bas des rochelons. Ouais, deux en bas, je le vois. Des petits acolytes, du pyromane. Ils ont quoi? Ils ont un escalier sur le côté là. Sinon tout là-bas. Et à Et tu veux que gauche. je descende l'escalier, comme ça je prends les deux rejetons qui vont de toute façon remonter en deux tours sur nous. Ouais, je peux te Ou foutre. alors je fonce sur celui qui est droit. Quoique il y aura moins de. Si tout le monde se tape dessus d'un coup. Si on met tout sur sa mouille, il y a moyen que ça passe quand même. Non, c'est ça, ça va aller, ça va aller. Je vais avoir un petit tour bonus normalement avec Cassia. Cette fois, je vais pas faire de la merde avec mes compétences, tant qu'à faire. Bon, niveau couverture, c'est pas ouf par contre. On va dire que c'est pas grave. On se replacera après. Allez, go! Alors, à qui je peux donner un tour intéressant? Argenta, elle pourrait faire une belle rafale de là où elle est. Éventuellement foutre le feu au démon. Elle est juste hors de portée, bien sûr. Hitting. Je peux bouger, cela dit. I have read tomes of military tactics. Là je fais combien de dégâts avec ça? 9 à 14 et ça? 9 à 14. Un petit coup critique, c'est toujours ça. As the Emperor commands, I act. Est-ce que je peux caler? Non, je peux pas. 59% de chance de toucher, c'est pas exceptionnel ça. Comment tu peux rater avec un lance-flamme quoi? Surtout un truc pareil. Bon, je passe la main à toi. On commence avec du voile, le voile genre plein quoi. Pas quoi faire. Mon cultiste dans le fond, c'est pas très grave. Ah, tu lui as mis de la biomancie. Oui. Oh, c'est toujours un truc bien sympatoche. Ouais, bah c'est vrai qu'on manque de psycheurs dans cette équipe pour avoir des buffs. Waouh! Vache! Parfois ça fait ça, j'ai jamais compris. Bah si, c'est le péril du worm qui s'est activé. Bon, attends, parfois ça fait. Mon code s'active, il m'invoque un démon. Il Là il fait dira à juste une petite Paul que vague. t'as provoqué un phénomène psychique, péril du warp. Coup de fouet. Bon. Ouais, bah à chaque fois que tu fais une attaque psychique, t'as une chance de faire ça.
Là ils sont à couvert, ouais, ils sont à couvert les coups. Et avec ça. Pareil, ils sont globalement ils sont à couvert. Bon bah du coup, on va tout mettre sur sa mouille. On va juste se mettre ici plutôt. Non, je peux me mettre ici. Ici c'est pas mal. Rejoice in battle. Pas si mal. Du truc. Attendre qu'il s'approche un peu avant de commencer à foutre des flammes partout. Ad. Ça c'est chiant par contre. Voilà. Personne au contact comme ça. Là. T'as raté. Ah oh, ce double 80 qui rate là. Sans déconner. Putain. J'hallucine. Bon, est-ce que t'as peut-être moyen de faire un peu moins de la merde ? Non mais attends, y a un bug là. J'ai même pas de jet de dés dans le journal. Là. Ok, j'aurais dû bouger, à mon avis doit être bugué. Du coup. On va dire que c'est 3 attaques perdues. Oh, belle esquive. Là, rapprochez-vous de moi, ce sera encore plus simple pour moi. Parfait. Excellent. C'est quoi le double doigt qu'il y a là? Rage bestiale. Petit pyromane, vas-y, fais-toi plaisir. Commencez par ça. Je veux prendre une petite action héroïque, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Histoire d'allumer un max. Oui. Enfin, la quantité de buff qu'il a, quoi. Mais ici, en théorie, je peux faire de la zone. Voilà. Dans le tas. Honnête. Franchement honnête. J'aurais pas mal calculé, j'aurais voulu rajouter un. Un taunt. Ouais, t'as pris un supporté. Bon, y a peu de chances qu'ils se barrent, hein. Ils vont t'attaquer toi de toute façon. En théorie, oui. Y'a encore des gens autour, non.
peux lui murmurer des choses à l'oreille. Ah non. Petite explosion. Au bout d'un moment. Et Pascal est paralysé, parfait. Du coup. L'autre con là. Si je fais ça, y'a qui derrière? Y'a moi. Si je fais ça de là où je suis. Oh, lâche ça. Ouais, c'est encore pire. Voilà. Joli. Écoute, je vais même me permettre de claquer un medikit parce que c'est pas si souvent. Et quand même mi-life. Est-ce qu'on peut se faire celui-là là ? Oh mais non mais c'est pas possible. Bon là au moins j'ai un calcul. 95% j'ai fait 100. Et au moins cette fois j'ai un calcul. Et ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu bugué quand même mon pauvre gars là. En tout cas il est en galère. Tac tac tac. Ah je te vois pas, dommage, je peux pas mettre ça. Si je me mets ici je te vois. Yes. Je peux te faire un petit briser leur rang. Toutes les attaques de mêlée menées par la cible infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 2 multipliés par le nombre d'ennemis adjacents lorsque cette cible est utilisée. Si la cible est sous l'effet de votre commandement, elle lance immédiatement une attaque d'opportunité. On va voir. Ok, pas mal. Bon, est-ce que tu pourrais arrêter de faire de la merde, le cygne ? Honnêtement, ça me plairait beaucoup. S'il te plaît, comme dit Chobiti. Merci. C'est pas monstrueux, mais au moins t'as touché. Oh, le zéro, quoi. Lui, il est devenu fou parce qu'il a raté sa prière. Il se remet à prier, ok. Putain mais tout fait zéro quoi. Les flammes, les balles, les morsures de démons. Bah voilà. Quand on est pas bien placé là. Oh ça va, double esquive, c'est pas si pire. Ah. Il a réussi à faire les dégâts de ton supporté. Attention. Ça commence à être tendu. Je laisse le petit pyromane qui est là ou... Non, ouais, je vais le gérer, c'est bon. Et l'acolyte qui est derrière, je pense que c'est pareil. Tu peux aller aider Katox, je pense. Je vais de faire un petit strike. Joli. Allez. Merci. Ah, je le vois pas. Si je le vois. The enemies of the Emperor will be undone.
Après avoir 24%, autant tirer 3 fois. Voilà. Alors là, pourquoi? Cible est trop éloignée. Je peux pas refaire ça sur toi parce que t'as ce qui ne va pas. Et là, ça marche pas parce que je te vois pas. Putain, t'es planqué là. Vu que je te vois pas parce que t'es planqué, eux au moins je les vois. Ah, Abby, si je te vois, c'est parfait. Maintenant qu'ils te cachent plus. Passer à portée pour taper, normalement je pense que oui. Excellent. L'armure naturelle, ça fait quoi? Ah oui, son armure baisse quand on le blesse. Ok. Et subit des dégâts supplémentaires des dégâts de feu. C'est pas mal ça. Et je rejoue. Pourquoi je rejoue? Bizarre, bon, admettons. Let's make some opportunities. What? Ah, un petit. Oh putain. Oh, allez. C'est un truc. Concentre-toi. Ah non, mais autant sur le combat d'avant, il a été incroyable, mais alors là, que des 95 et des 80%, il les rate tous quoi. C'est un truc de fou. J'ai fait 96 sur 95 quoi. Ça n'a aucun sens. Alors. Oh. 84 pour 45. Voilà, c'est un peu plus légit de rater, on va dire. Bah, faut que j'aille essayer de choper le leader des cultistes. Parce qu'il prend. On va encore avoir. Ouais. Bah, ouais, l'autre derrière est pas tombé à genoux. Oh, mais c'est à son. Il a 10% de chance de faire un démon. Hein. Oh, allez, bah, on va. Finis celui-là, sinon il va aller chercher Cassia de toute façon. Franchissement. Ah oui, ça donne tranché, c'est ça. C'est ça. Il a eu quoi? Il utilise la capacité de prière ténébreuse et il s'est rien passé. Il y a combien de chances qu'il se passe rien? 20% de chances qu'il se passe rien. Voilà, c'est déréglé. Alors du coup, ceux qui restent, il y en a un planqué là-bas et un ici. Je peux peut-être le flanquer par en haut là. Ah non, il n'y a pas d'ouverture là. Ouais, on va se préparer à contourner au pire. Vas-y Katox, frappe. Putain, avec tous ces buffs psychiques, Katox il fait flipper n'empêche. Hein. Je peux pas faire le franchissement, je voulais faire le franchissement, ça fait un peu plus de dégâts, mais en fait non, je peux pas. Ah, parce que tu l'as déjà fait au tour d'avant? Je sais pas, en tout cas il veut pas. Bon bah... Je frapperai plus tard. Ouais, attends, je m'en occupe. Je te mets un petit buff de dégâts sur les ennemis au corps à corps, comme ça au moins.
pareil ici, je vais pas avoir de vision, j'imagine, même avec mon fusil. Non. Même pas sur le démon. Ah, ici je vois le démon. Attention, je tente un 95%. Ouh là 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 là. Ouh, ça fait des frissons. Cet échec critique. Ah merde, il s'est mis à prier le con par contre. Pourtant, bon, c'est la seule chose que je peux tenter. Ouais, là ils sont loin là. Oh, joli. Bon, on repassera avec tes 80%. Ah, c'était encore un 45 là. Ah non, c'était un 18%. Un 18%. Putain. Oh la vache. Rends-moi mes jets s'il te plaît. Voilà. Bien joué. Beau fight quand même. Ouais, sympa. Par contre, on peut même pas looter les démons. Ah si, il y a une espèce de cache thoracique ici, non ? Il y avait pas grand-chose dedans. On s'occupe du loot en bas. Ah, j'ai les codes de ma armure moyenne 30%, si ça t'intéresse. Je sais pas si on avait déjà eu des trucs comme ça. En haut, non, j'en ai pas. C'est le leader qui portait ça, non ? Ouais, je pense. Voilà, c'est fait. Bon bah on continue de courir, donc ici c'est toujours pété au milieu. Ce n'était que le début, mon ennemi. Il arrive, il arrive, il arrive. Mon dieu, Katox, il arrive. Pas grave. J'ai pas peur, moi. Elles arrivent, marchant dans les pas l'une de l'autre, l'aurore du matin et l'aurore du soir. C'est l'aube. L'aube. L'aube et les crépuscules. L'aube et le crépuscule. L'aube et les crépuscules. Foutu illettré. Saloperie de prophétesse du bas peuple. Ça, c'est les gens. Aucun respect. Incroyable de jurer. Ils sont même pas capables de jurer dans une langue correcte. C'est ça. Un petit peu de décence, s'il vous plaît. L'anarchie qui règne à l'astroport perdue sans doute les esprits de la machine. Il reste source à toute prière d'apaisement. Nous devons manier notre navette d'évacuation avec prudence. Ah, on a un niveau. Excellent. Combat à deux armes, non, c'est pas trop le trip. Tac tac tac. On va prendre le chargeur de réserve parce qu'on a vu que mine de rien, quand il faut recharger, ça bouffe un peu tout quoi. Alors, la navigateuse, force mentale, bah oui, force mentale, ouais. Là, il n'y a pas trop de discussion. Compétence de base. Le chemin non parcouru. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Le présage de sang. Rien que le nom, il me fait rêver. On aurait un truc pour aider avec le lance-flamme. Lorsqu'un allié confère une capacité qui n'affiche pas de dégâts à un personnage, renversement. Ok. On va mettre ça, mieux vaut mourir pour l'empereur, ça sera bien pour elle. Ouais, on a déjà
45 là. La vache. C'est moi qui ai le plus d'athlétisme. Ah non, t'as 75. Hein. C'est juste que c'est mal classé. Booster ça, ça t'utilise des medikits au moins, ça sera utile. D'ailleurs, le medikit du coup il disparaît quand on l'utilise, non? Oui, je t'en remets un. Voilà. Alors, allons manier notre navette d'évacuation avec prudence. Y'a pas des grosses tourelles ici avant? Oui, mais ça, ils ont dû vite partir. Bon, à moins qu'on fasse des jets, normalement on avait tout looté. Hein. Ah merde, une embuscade. Deux. Ils sont où? Oh, ils sont loin. 2, 3. Ouais, pas beaucoup. Il y a du tireur d'élite. Ils ont quoi? Œil de l'aigle augmente les chances d'infliger un coup critique de 10% et apporter des attaques à distance de 10. Ok, bah. Allons-y, allons-y. Bataille de. Bataille de sniper, très bien, pas de problème. Alors je suis ouf. En plus je suis très bien placé. Vas-y, Lucien. Voyons ça. Hop là. Et de 1. Ça c'est fait. Et du coup tu peux te placer. Tu vas te mettre où? Ici ce sera bien. Emperor, give me strength. Tiens, dans ton cul embuscade. Excellent. Bon bah si tu veux même. Ouais, j'avoue. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Cast your eye there. Oh, un piège. Ouh le piège là. On l'a pas vu venir celui-là. Comment on le désarme? Ah, si je me mets là, je peux le désarmer direct. Rapprochez-vous pour interagir. Ah, mais il faut que je me rapproche genre là. Ou genre, faut que je me rapproche ici et je le déclenche. Non, faut que je. On marque pas dedans. Ouais, mais c'est pas très évident, on a dit nombre de points d'action suffisant. Ah oui, c'est deux points d'action pour désamorcer. Ok, pas de souci. Ah, il y en a un autre là. Bon, je vais me mettre au milieu pour le tour d'après. Puis en attendant, on a un petit 32 là, lui, il nous voit pas. Ne pas bouger. Voilà. Ça c'est fait. C'est un tout petit truc hein, là. Ouais, je cherche un endroit où je le vois. Ah, je le vois ici. Taking calculated risk is in my second nature. Dommage. It's as good as done. Faudra lui murmurer à l'oreille. C'est un truc de fou. 90% et je fais 100 quoi. C'est ouf. Wow. Vas-y, va lui murmurer à l'oreille. Oh la violence. Je trouve un endroit où je le vois pour l'instant. Ouais, il est. Ah, si. Il y a un petit angle entre les caisses là ici. Allez, ça c'est fait. Bon, attention au piège. Ah, mais je dois, y en a un peu partout. Ouais, je vois ce que je vois. I better myself through my service. Et heureusement qu'on les a tués vite parce que t'aurais chargé dedans, toi. Duty prevails. Oh, ça fait 8 XP, hein, rien, on a un nouveau niveau déjà. Ça passe large. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire. Il est bugué le niveau? Non, t'arrives mal passé, choix. Toi. Ah oui, non, non, mais ouais. Parce que c'était grisé moi sur le signe, mais ça doit être un bug là, l'amélioration de la capacité là.
Oublie pas que t'as c'est la suite, t'en as déjà eu une. Oui, je me souviens, ouais. Donc j'avais déjà pris celle-là. Mabli, je sens un poids capacité. Oui, c'est ça, on peut transmettre. On va prendre les points de combat supplémentaires. Ça bug un peu avec l'officier là. Le texte, il est trop gros. On avait pris jusqu'à la fin du tour, jusqu'à des attaques de zone, infligeant un nombre de points de dégâts supplémentaires égal au nombre de cibles attaquées. Ok. Ok, pas mal. Prendre ça. Et du coup, toi, ça se débloque? Ouais, ça se débloque, parfait. On avait pris quoi? On a pris ça. Prendre ça aussi. Stop. Again. I better myself through my service. Normalement, il dira, il a une bonne perception, se passer devant. I always keep loot. my options open. Ah oui, c'est vrai, le loot. T'as raison. J'avais oublié qu'il y avait des ennemis déjà. Bah, tout a été envoyé au. Ouais, tout allait dans le chargement. Tiens, un garde en vie. Mais mec, tu fais quoi? Tu donnes des coups de pied aux tourelles? Celle-là. Oula, désynchronisation détectée. T'es toujours là? Oui. Non, ok, très bien. Donc je n'ouvre Tu pas sais. la fenêtre du jeu. Ouais, parce qu'il me proposait de quitter pour relancer la partie, mais. Arrêtez de pleurer, on va vous sauver, c'est bon. Jamais content ces gens. C'est la maîtresse de cérémonie, non? Non, elle avait pas les cheveux blancs. La puanteur de la ficelline et du sang recouvre l'astroport. Hurlements et détonations résonnent sur les plateformes. Vous sentez des éclats de flexivers crisser sous vos pieds. Vous reconnaissez le sergent Malgar au milieu de la foule rassemblée près des navettes. C'est le soldat qui vous avait accueilli lors de votre arrivée. Leur sergent porte une soliste veste par éclat portant l'insigne réglementaire de vos troupes. L'un des hommes que vous lui avez envoyé a dû le lui offrir. Un groupe de personnes en sang et manifestement terrifiées s'entasse entre les soldats de Malgar et les navettes. Vous reconnaissez parmi elles le gouverneur de la planète et les membres haut placés de son entourage. Les oripeaux Luxion étaient déchirés pendant la bataille, et nombre d'entre eux ont souffert la morsure des baïonnettes. Alors, un rapport, sergent. Le sergent se retourne vers vous, le visage grimaçant de colère. Allons bon. Notre très énervé gouverneur et sa bande de truands sont restés planqués bien au chaud à l'arrière, et maintenant que ça commence à chauffer pour leurs fesses, ils ont cru pouvoir se faire la malle et nous laisser crever ici. On a saigné pour lui, on s'est pété le tronc pour lui, et tout ça pourquoi, hein? Tu trouves ça juste, chien de Grox? Ah, il frappe le gouverneur, carrément. Ah ouais. Allez. Il ira sursauter et se met à bredouiller. Non, 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 ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Le gouverneur crache du sang et ouvre la bouche pour répondre quand sa tête explose soudain. Ah, carrément. Ouais, c'est. Ok, mais mec, tu. T'as pété un plomb ou. Depuis des générations, les nobles de ce monde protègent Rikad Minoreis et assurent la prospérité de ses habitants, et c'est comme ça que vous les remerciez, paysans! Pour avoir tué un bien-né, vous ne méritiez rien d'autre que d'être exécuté sur le champ. Cassia tend la main et le genou de Malgar plie sous son poids. Menteur avait raison, le petit peuple ne connaît pas l'honneur. Alors, mais du coup, on essaie de persuader qui là? Non, je pense qu'on parle au sergent là dans les. Oui, je pense. À votre place, d'autres auraient oublié que l'empereur protège tous ses sujets, mais pas vous, assurément, votre devoir est d'aider tous ceux que vous pouvez. Je vois pas trop les réponses. Non, il s'est comporté comme un tortionnaire, ce n'est pas. Ça ne vaut pas, je ne suis pas d'accord. Au même titre que, tous autant qu'on est, on est siège de l'Imperium, rien de plus. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire au sergent Malgar? Un murmure de colère gronde parmi le groupe de nobles. Certains marmonnent le nom du gouverneur avec horreur. D'autres vous supplient de tuer le garde dément. D'autres encore maudissent Malgar à voix basse, lui promettant un tourment éternel. Mais aucun n'ose lever la voix pour répondre. Vous voulez vraiment qu'ils meurent tous jusqu'au dernier?
Mais oui, la décision d'abandonner les petits gens sur cette planète vient du gouverneur, d'accord, mais ils l'ont soutenu. Ils sont complices, aucun n'a pris notre défense. Ouais, t'es assez d'accord, ça me paraît pas trop collé au fondement de l'Imperium. Ouais. Hein. C'est fou, je reste fidèle à l'Imperium, celui de l'humanité, celui du trône d'or. Je suis prêt à combattre l'obscurité qui règne parmi les étoiles et aider ses serviteurs, que son dessein puisse triompher. En revanche, je refuse de croire que l'Imperium a davantage besoin d'une bande de nobliaux arrogants que nous autres, honnêtes soldats et travailleurs. On va essayer de le persuader. 80% de chance. Le sergent vous lance un regard noir. J'ignore ce qui vous pousse à défendre cette vermine. Jamais ils n'aideraient quelqu'un comme moi, eux. Mais vous avez raison sur un point. Ils ne méritent pas de mourir. En tout cas, pas tous. Des pas lourds font trembler le roc béton et vibrer tout votre être. Ah. Si on arrêtait de se massacrer l'un l'autre... Non, ils ont cassé notre navette. Ça va chier. Ah. C'est un mec de corne, ça. Où sont passés les gentils mecs tout fragiles de Tsinch? C'est pas un mec de... c'est un world bearer. C'est pas un world eater, c'est un world bearer. C'est, c'est les ceux qui étaient ultra ultra religieux qui se sont fait trahir par l'empereur, enfin trahir par l'empereur. Plus compliqué que ça. Space Marine du chaos. Ouais, ben il a... il a mis ça sur... effet concentration de rage. Space Marine du chaos attaque la cible désignée comme AI. Ah, il a tué tous les gardes. Aristocrate meurt, gouverneur Medina meurt, sergent Malgal meurt. Ah oui, d'accord, ça valait la peine de discuter, tout le monde est mort quoi. Genre, y'a que nous qui avons survécu. Ça arrive à raisonner et en fait, non. C'est ça. Et du coup, y'a quelques ennemis derrière, un rebelle, un rebelle, un rebelle. Et tout ouais, là-bas, rebelle, ça... rebelle, rebelle, rebelle. Y'a un sniper quelque part, il est où? Chef rebelle, artilleur. Et il est tout en haut. Ouais, ça pourra t'en charger avec des 80%. Ouais, je pense que ça va passer. Bon, ça veut dire que du coup, si on se met genre par ici... En plus il va jouer en premier, ça va être gênant ça. Non, Cassia tu vas pas rester aussi proche, mets-toi plutôt par là. Argenta, mets-toi par là. Et oui, vu qu'il était tout rouge avec des crânes, ça me faisait pas mal penser à Korn, comme... Ouais, on confond souvent les deux. Bon après, ce sera un Space Marine du chaos ou pas... T'as pas appuyé sur démarrer, je crois. Ah putain, ah oui, voilà. Si. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir fait. Alors, du coup, ok. On a deux points. Donc, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut se faire le mec tout là-bas? 95% de chance. Ok. Faut pas y casser un peu de vie, c'est bien. C'est déjà ça. On va lancer une petite arme combinée. Ça, on va pouvoir tirer dans le tas si on souhaite. Il s'enfuit. Reviens. C'est vrai qu'on s'est bien placé pour une attaque de zone, j'avoue. Je peux pas dire le contraire. Ok, ça c'est fait. Bon, il me semblait que je jouais pas aussi vite, c'est pour ça que j'ai activé l'arme combinée, mais en fait c'est un peu un échec. Il a deux fois plus de vie qu'un foutu rejeton du chaos quoi. C'est moi, il a rangé son flingue et sorti une espèce d'épée. Oui, c'est ça. Hein. L'épée elle fait ta taille, Katox. Tu te sens de gérer ça? J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, moi. Jamais peur. Bon, je vais m'occuper d'essayer de gérer un peu les ennemis loin. Comme ça, tout le reste va pouvoir se focus sur ces cons.
Allez, une petite surpénétration là. Non, ouais, si ça passait, mais pas suffisamment. Un petit buff sur Katox parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Bon, allez. Nous sommes face à la mort elle-même. Qui dira, tu pourrais essayer de d'être positive un peu. Oh, regarde, elle est positive. Oh, c'est positif ça. De dégâts là. C'est même pas un critique en plus hein. Non. Allez, à toi Katox. Passer son armure par contre, j'avoue. 56 de capacité de combat, 60 d'armure, 36 d'esquive. Ouf, 6 de déflexion, waouh. Heureusement que l'épée tronçonneuse tronçonne. Hein. Pronostic de survie est peu engageant. Mais je trouve qu'ils sont un petit peu négatifs, moi. On va buffer tout le monde. Ouais, idée. Je vois que toi aussi tu rates des 90. Ah non, c'était un 55, t'as fait 90, c'était un 55. Un peu de pénétration d'armure avec ça normalement. Ouais, c'est pas si mal. Faith without deeds is worthless. Vas-y, avoine ma chère. Tu peux faire ça? Pourquoi tu peux pas faire ça? Ne fais pas ça du coup. Est-ce que tu peux aller là et leur cramer la mouille? Ah non, tu peux pas utiliser cette compétence, ok, très bien. Et du coup, n'utilise pas cette compétence. On va se concentrer sur lui plutôt. Ouais. Oh, reviens là. Et balance-nous une petite, un petit récital furieux tant qu'à faire. Voilà. Ah, pas d'attaque d'opportunité. Comme ça, lui. Mais détruit pas les navettes. Ah oui, c'est vrai qu'on doit protéger les navettes. Exact. Je pense que là, là c'est... On va dire c'est scripté, donc on peut faire ce qu'on veut. Bah, la quête c'est protéger les navettes. Donc je sais pas si on peut éventuellement ne pas suffisamment les protéger. Ok, ça joue au malin, je vois. On it. You should have thought twice before crossing me. 12 de dégâts, c'est pas si mal. Je vais rester là parce que tant que je suis collé à vous, j'ai des bonus. I have read tomes of military tactics. Alors du coup, ça c'est beaucoup trop loin. Isn't this a job for the serfs?
attends, si je fais ça, puis ça, ça donne une attaque de plus qui ne sert à rien. Voilà. I am a navigator, not a servitor. Clameur arrogante. Alors dis coucou les petits gars. Coucou. Bim. Voilà. Ah, c'est fait. T'as fait, c'était un truc héroïque, non? Parce qu'il a monté un max. Ah oui, c'est... Non, parce que j'en ai touché 4. Ouais, mais parce que le voile a beaucoup monté. On va le rattraper. Si tu me mets là et que je charge, ouais, je peux le rattraper. C'est long, j'avoue, j'aurais pas cru, il est quand même hyper loin. Allez, le petit coup d'épée dans le dos. Moi le malin. Hein. Quoi le truc vert qu'il a au-dessus de la tête? Ah, ça doit te marquer, c'est un crâne, ça doit pour marquer que c'est la cible. Ouais. Bien. Les mecs ils sont un peu perdus je crois. Vas-y, j'ai mon couteau. Il est mauvais. Non, t'aurais dû prendre un tir normal. Tir de précision c'est bien quand ils sont loin. Mais le... Quand ils sont proches t'as des malus par rapport au tir normal. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long et je pense que le combat va bien durer. Donc on va se faire la fin du combat tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.